Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle journée. Nous sommes le jeudi 30 juin, journée exceptionnelle pour la presse française. On vous en parle dans un instant. Ça y est, ils sont libres. Après 547 jours de captivité, Hervé Guéquer et Stéphane Tapponnier sont de retour en France. Ils ont atterri ce matin sur le tarmac de l'aéroport militaire de Villacoublay. Les familles et toute la presse étaient là pour les accueillir et recueillir surtout leur premier témoignage très attendu. Hervé Guéquer et Stéphane Tapponnier ont tout d'abord rencontré leurs proches, ainsi que le président de la République et la première dame de France venus les accueillir. Le chef de l'État leur a résumé tout ce qui s'était passé pendant leur absence. Ce premier contact avec le sol français s'est fait dans la plus grande intimité, à l'abri des caméras. Une grande frustration pour l'ensemble de la presse qui aurait voulu être présent pour ces retrouvailles. Les deux hommes se sont ensuite dirigés vers les journalistes où ils ont pu faire part de leurs émotions. Ils sont apparus en bonne santé, sourire aux lèvres, et sont revenus sur leur libération. Beaucoup de mystères entourent les négociations. On ne connaît pas encore l'échange qui a été réalisé pour les faire libérer. Mais plus les heures passent et plus les conditions de leur détention se précisent. Les deux hommes ont été séparés pendant près de 8 mois. Et les otages assurent qu'ils n'ont jamais été maltraités. Après leur libération, ils ont été entendus par les spécialistes de la DGSE. Les banderoles de soutien peuvent maintenant être décrochées. C'est la fin d'un très long calvaire. La métropole lilloise s'est fortement mobilisée pour ne pas qu'il sombre dans l'oubli. Après la mairie de Lille hier, c'est au tour de la rédaction de France 3 de décrocher dans la joie et la bonne humeur cette banderole que vous voyez d'ailleurs ici sur ces images. On va écouter sans plus tarder le directeur de France 3 Nord-Est qui est, vous vous en doutez, très ravi de les voir de retour parmi nous. Les frémissements sont récents, hein, ils datent des dernières heures et donc on avait des échos, mais on était surtout soucieux de ne pas perturber un processus final. Je parle là de France Télévisions et de France 3, donc là pour l'instant on est juste au bonheur de les voir revenir.